Eh oui, le sixième continent, le monde glacé de l'Antarctique, est parsemé de volcans. Et actifs, s'il vous plaît. Certains sont même sous-marins. Le bloc continental n'en compte pas moins de 29. Et le plus célèbre est certainement l'Erebus. Un volcan qui culmine à 3800 mètres d'altitude et dont la dernière éruption date de 2006. L'ogre vibre même toujours. Le volcan tire son nom d'Erebos, divinité grecque de l'obscurité, née du chaos primordial, entité sans fin, dont presque tout est issu. Erebos représentait les entrailles les plus inaccessibles de la Terre. Et on ne pouvait imaginer meilleure divinité tutélaire pour un volcan mangeur de lave au milieu d'un océan de glace. Dans le ventre du monstre, en effet, dort un lac de magma. De temps à autre, il crache des filets de fumée menaçants. L'Erebus est en outre un véritable gruyère, parsemé de centaines de grottes toutes dénuées de vie. Un labyrinthe de cavernes mortes, idée de ce que peuvent être les solitudes glaçantes d'une planète lointaine, trop éloignée du soleil pour connaître autre chose que la nuit la plus obscure. Erebus n'a rien d'attrayant. C'est un four figé dans un paysage minéralisé, comme il en existe rarement sur notre planète gorgée de vie. Il a été découvert et baptisé par James Clark en 1841, qu'il aperçut de loin depuis le pont de son navire Erebus. Il faudra attendre 1912 pour qu'une expédition de braves réunie autour de Robert Scott arpente ses flancs pour en arracher quelques roches. Son sommet ne fut atteint qu'en 1985. En 1979, il fut enfin le lieu d'un célèbre crash d'avion néo-zélandais qui tua 250 personnes. La montagne a clairement l'attrait de son homonyme mythologique, lieu perdu dans le cœur le plus obscur des enfers de l'Antiquité. Un trou où pleurer sans fin, sans personne pour vous entendre, l'endroit le moins fait pour l'homme sur notre globe. N'oublie pas de t'abonner.